On t'entend pas, Ahmed. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur l'atelier « Comment mieux servir les entrepreneurs des quartiers ». Le panel d'intervenants est très riche aujourd'hui. Donc, nous avons la chance d'avoir Moussa Camara, président fondateur des Déterminés, mais également Michel Coster, professeur en entrepreneuriat à l'EM Lyon et qui représente la structure entrepreneur dans la ville. Également, nous avons Yacine Gerbas, qui vient de Dunkerque, pour la structure Entreprendre Ensemble, pour lequel il est responsable entrepreneuriat. Également, Mohamed Adou, président fondateur de Créo, un accélérateur. Hayat Mazouza, Positive Planet France, pour laquelle elle est responsable impact et plaidoyer. Également, Monsieur Rodolphe Thomas, vice-président en charge de la politique de la ville à la région Normandie. Également, Élise Tissier de BPI Lab. Alors tout d'abord, donc on va passer sur une application qui s'appelle Klaxoon, et afin de répondre aux questions qui sont affichées sur Klaxoon, veuillez vous rendre sur Internet, sur la page klaxoon.com, et vous allez entrer le code d'accès qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez scanner directement le QR code que vous voyez apparaître. Donc il est affiché. Vous pouvez donc après cela entrer donc un pseudonyme, celui que vous souhaitez, et cliquer sur la question pour y répondre. Alors selon vous, et en quatre mots maximum, quels sont les freins à la création et au maintien d'entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville? Donc en quatre mots maximum, quels sont les freins à la création et au maintien des entreprises dans les quartiers de la politique de la ville? À vous de jouer. On joue nous aussi? Alors, je ne sais pas si vous avez accès également, je parle au panel. Si, si. Entendu. Si, si, on a accès. Moi, j'ai accès en tout cas. Comment peut-on faire pour revenir? J'ai fait son petit. Ah, oh, c'est pas vrai. Ça s'est coupé? Ouais. Merde. Je vais retourner sur votre message. Quatre mots, violence policière. Quelqu'un a mis ça. Donc on retrouve des mots-clés tels que le réseau, le financement qui semble crucial, la question de l'accompagnement avec toujours la question de l'accès qui est mis en exergue, des a priori, donc il y a un vrai sujet de culture, d'acculturation des uns et des autres. Alors tout de suite, pour nous donner des éléments de réponse, je vais demander à Élise Tissier d'intervenir. Donc Élise Tissier qui est directrice du lab chez BPI France. Donc récemment, le lab a publié en partenariat avec Terra Nova une étude sur l'entrepreneuriat dans les quartiers, les dynamiques entrepreneuriales de ces territoires. Peut-être que tu peux nous partager quelques éléments de réponse, Élise. Ouais, merci Ahmed pour cette introduction et bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Même si aujourd'hui c'est en digital. Alors effectivement, on a conduit une étude avec Terra Nova et je salue Thierry Pêche qui était tout à l'heure en introduction en plénière. Avant de vous en donner quelques résultats, j'aimerais vous dire deux mots de méthodologie parce que c'est extrêmement important. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai quelques coupures. On t'entend très bien. Cette,
Super. Donc cette étude, elle s'appuie sur trois axes méthodologiques. Le premier, c'est un axe quantitatif pour lequel on a utilisé l'enquête SININSEE, qui est une enquête à la création d'entreprises, donc pour toutes les entreprises créées en France, qui se fait l'année de la création, 3 ans après et 5 ans après. Et ces données, on les a croisées avec des données du CGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires, ce qui nous a permis d'identifier les entreprises qui étaient implantées en QPV et puis bien évidemment les comparer avec les entreprises hors QPV. Ce travail statistique, il n'a jamais été fait. C'est vraiment la première fois qu'il est fait. Donc ça, c'est important. Le deuxième axe quantitatif, c'est tout simplement une enquête téléphonique qu'on a faite auprès de 350 entrepreneurs des QPV et hors QPV. Et troisième axe, il est qualitatif, il est plus classique, ce sont des entretiens qu'on a menés auprès d'une vingtaine d'entrepreneurs et auprès d'une quinzaine de réseaux d'accompagnement. Donc tout ça pour vous dire que ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est des résultats qui sont extrêmement robustes, donc vous pouvez vraiment utiliser. Alors avant de parler de frein, on est sur une table, enfin sur un atelier sur comment mieux servir les entrepreneurs. J'aimerais juste redire, c'est sans doute évident que ces entrepreneurs des QPV sont avant tout des entrepreneurs. Tout à l'heure, la présidente de la BGE en plénière d'introduction disait qu'il fallait qu'on soit tous à l'écoute des entrepreneurs. Et bien, le premier mot que je peux vous partager, c'est que ces entrepreneurs des QPV veulent qu'on les aborde comme des entrepreneurs et pas comme des personnes venant des quartiers. Ce n'est pas le quartier qui les détermine. Et ça, c'est ce qu'ils nous ont dit, mais c'est aussi ce qu'on peut voir à travers les statistiques. Je vais vous prendre deux chiffres qui balayent toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Le premier, c'est sur la formation, puisqu'on a 55% des entrepreneurs qui créent leur entreprise qui ont un diplôme d'études supérieures ou un minimal bac. C'est un petit peu moins que sur l'ensemble du territoire, mais c'est très similaire. Et puis, le deuxième chiffre, c'est sur les entrepreneurs qui créent ces entreprises. Ils ont un job avant. Ils sont 60% à avoir une activité avant de créer leur entreprise. Donc ça aussi, ça lève un peu une idée reçue qu'on peut avoir trop souvent sur ces entrepreneurs de quartier qui, finalement, se lanceraient parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas d'autre choix. C'est pas vrai. Alors maintenant, évidemment, il y a des freins et on l'a vu parce qu'on l'a à travers notamment Klaxoon. Vous avez balayé à peu près les freins qui ressortent de cette étude. Je vais les synthétiser, Ahmed, autour de trois. Ça m'est pensé, j'ai pas mis mon chrono. Autour de trois grands types d'isolement ou trois grands types d'éloignement. D'accord. Il y a un isolement qui est économique, il y a un isolement qui est géographique et il y a un isolement qui est socioculturel. D'abord, si on prend l'isolement économique, on voit qu'il y a une très forte dépendance des revenus de l'entrepreneur à son activité. Ça, les chiffres sont assez différents entre QPV et hors QPV. Donc, dit autrement, un entrepreneur des quartiers qui se lance, les revenus de son foyer, ils vont dépendre principalement de ses revenus de son activité. Et on voit là en miroir que hors QPV, les revenus du conjoint peuvent être un complément substantiel. Après, le deuxième élément, Thierry en a parlé tout à l'heure, c'est l'investissement initial au moment du lancement du projet. Ça va quasiment du simple au double entre les QPV et hors QPV. Et on voit qu'il y a beaucoup de petits projets, puisqu'il y a un quart des projets en QPV qui sont de moins de 2000 euros. Et le troisième élément, et c'est ressorti dans l'enquête Klaxoon, c'est ce que nous on appelle la relation à distance avec les banques. Alors ça veut dire quoi? Le premier chiffre qui est important, c'est qu'il y a 60% des entrepreneurs des quartiers qui tout simplement ne vont pas toquer à la porte de leur banque pour obtenir un financement au moment où ils créent leur entreprise. Et quand on cherche à comprendre le pourquoi ils font pas ça, c'est une forme d'auto-censure, de peur aussi d'être mal jugé. Donc là, on peut dire déjà qu'il y a besoin de travailler. Tout à l'heure, on voyait le mot a priori qui ressortait. Ben, clairement, il y a sans doute à travailler sur les croyances, les représentations des entrepreneurs à propos de la ressource externe que peut apporter une banque. Et puis, ce qu'on mesure aussi, et c'est très net, c'est la difficulté d'accès aux services bancaires. Alors, quand je dis service bancaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ouvrir un compte pro, ça veut dire avoir une autorisation de découvert, obtenir un financement, ça peut être tout simplement un des trois. Et là, on voit qu'il y a une différence entre un entrepreneur en QPV et hors QPV. Alors,
on sait, là, c'est difficile pour nous d'établir le pourquoi il y a cette différence. Ce n'est pas forcément une question de discrimination. Ça peut être aussi une question de projet, tout simplement, qui est jugé plus sécurisé économiquement pour la banque. Et ce qui poserait d'ailleurs d'autres questions, c'est que si toutefois la banque juge que ces dossiers sont moins bons d'un point de vue purement économique, pourquoi ? Est-ce qu'il est mal monté ? Est-ce qu'il a été mal accompagné ? Est-ce que l'entrepreneur, il a été mal accompagné sur la présentation de son dossier ? Donc, on voit ça, c'est un gros bloc de ce frein qu'est l'isolement économique. Après, je disais tout à l'heure, sur l'isolement géographique, sans surprise, on mesure un manque d'attractivité des QPV, et ce n'est pas nous qui le disons. Les entrepreneurs de ces territoires nous disent qu'ils souhaiteraient déménager les locaux de leur entreprise pour y trouver un environnement économique plus favorable, également pour des questions de sécurité et élément très important aussi pour obtenir des débouchés commerciaux plus importants. Et ça, c'est un marqueur aussi qui nous semble fort et important de cet isolement géographique, c'est qu'on peut voir que même 3 ans après la création d'entreprise, la clientèle reste essentiellement locale. Donc, je ferai un petit parallèle avec les entreprises technologiques dont on a beaucoup parlé, son start-up à qui on a dit allez, voyez pas simplement au niveau français, voyez grand, voyez européen, voyez international. Mais à ces entrepreneurs d'entreprises pas forcément technologiques, qui n'aient pas peur non plus de voir grand. Donc là aussi, encore travailler sur les représentations. La clientèle locale, elle est plus évidente, sauf que assez rapidement, elle a un frein pour se développer. Et ça va m'amener à mon troisième. Pardon. Okay. Non, merci juste, beaucoup, Elise. Juste un petit mot. Allez, dernier mot, allez. Ouais, dernier mot. Écoute, comme j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est socioculturel, je ne peux pas vous en parler, mais je vous dis franchement, il y a un contenu exceptionnel. Là, je n'ai pas la bonne étude, c'en est une autre, mais elle peut aussi intéresser les dirigeants d'entreprise. Vous les retrouvez toutes sur BPI France-le Lab. Et tout ça, c'est des outils qui sont utilisables par tous les réseaux d'accompagnement pour les entrepreneurs qui les accompagnent. Merci. Merci infiniment, Elise. Donc, des outils qu'on peut retrouver sur BPI France-le Lab. Donc, effectivement, le territoire peut être une richesse, mais peut constituer un frein lorsqu'on ne peut pas en sortir, lorsqu'il est plus subi que choisi. On va parler du territoire avec Rodolphe Thomas, vice-président de la région Normandie. Quelques questions justement pragmatiques par rapport à ce qu'il faut proposer à ces entrepreneurs. Qu'est-ce qui a été mis en place, par exemple, à la région de Normandie pour accompagner les entrepreneurs issus des territoires prioritaires de la politique de la ville ? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la région Normandie, comme toutes les régions de France d'ailleurs, se sont engagées dans les grands programmes de rénovation urbaine avec des politiques de démolition, de reconstruction, de résidentialisation. Et moi, je parle souvent avec mes collègues, c'est la rénovation urbaine et la réponse, mais il faut aussi de la cohésion sociale. Et comment donner du sens à la rénovation urbaine ? C'est créer de l'activité dans les quartiers, et c'est pour cela que dans le cadre de cette cohésion sociale, la région Normandie a misé fortement sur des appels à projets, parce que nous savons tous que ces quartiers qui sont concernés, eh bien, il faut stimuler, créer de l'insertion sociale et professionnelle, et donner de l'activité, c'est aussi donner la chance à des jeunes, des moins jeunes, des quartiers, à pouvoir, comme ça a été rappelé tout à l'heure, créer leur propre emploi et donc qu'il y ait cet esprit d'entrepreneuriat, à condition que les élus que nous sommes, que ce soit la région, département, communauté urbaine, métropole ou bien encore collectivité, prennent bien la mesure de ce que peut apporter tous les dispositifs d'aide à l'accompagnement et au développement. Pour la région Normandie, donc on agit beaucoup, beaucoup et fortement parce que c'est près de 62 quartiers politiques de la ville. Nous avons créé depuis maintenant 4 ans pas mal d'actions qui nous permettent de pouvoir justement faciliter l'insertion sociale et professionnelle. Et puis, on lance cette année 2020-2021 soutien à l'innovation dans les quartiers prioritaires et donc particulièrement cette volonté de pouvoir travailler avec la BPI France pour justement insuffler ou redynamiser l'esprit de création d'entreprise avec le Cité Lab. Comme vous le savez, la région, mais je crois qu'on n'est pas les seuls, c'est complètement associé justement pour lancer un appel à manifestation d'intérêt pour piloter et recruter des chefs de projet qui permettent justement de pouvoir relancer ce dispositif de Cité Lab qui est pour moi essentiel.
Encore faut-il que, je le dis souvent en tant que maire, moi je ne sais pas, la science infuse, hein, Hérouville c'est 23 000 habitants, on sort d'un grand programme de renouvellement urbain de près de 160 millions d'euros et on a créé de l'activité, que ça soit du tertiaire, on a fait venir aussi des institutions, la CAF, Pôle emploi, mais ça ne suffisait pas et donc on a transféré aussi un centre commercial qui se paupérisait, eh bien, on a profité de l'avenue d'un tramway pour justement transférer ces commerces de proximité parce que c'est essentiel. Si on veut créer du lien, de la cohésion sociale, démolir pour démolir ou reconstruire pour construire, ça n'a pas de sens. C'est comment les gens, comment les habitants peuvent vivre au quotidien et d'apporter une véritable valeur ajoutée, une économie, une croissance et donner la chance, encore une fois, à ces jeunes ou moins jeunes de pouvoir créer leur propre emploi. Et donc, nous allons, avec BPI France, continuer cette belle dynamique pour se faire autour de l'ensemble de ces 62 quartiers politiques de la ville. Bon, ceci dit, on ne s'arrête pas qu'au QPV, hein. Je pense qu'il faut aussi raisonner à l'échelle beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante. Alors, pour ce qui concerne aussi la ville d'Hérouville, comme je disais tout à l'heure, c'est près de 23 000 habitants. Nous, on a pu en mettre en place, grâce avec les dotations politiques de la ville, de l'ANRU tout particulièrement, de créer des pépinières et hôtels d'entreprise, de faciliter la création, comment dirais-je, de commerce. On a créé depuis maintenant 15 ans, un service complètement dédié à la ville d'Hérouville, un service dédié à l'accompagnement et au développement de commerces de proximité. Et on est aussitôt, bien sûr, en lien avec les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers et toutes les associations qui veulent véritablement s'initier comme l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Donc on a, un panel assez large dans tous ces dispositifs et on a pu bénéficier aussi, ce qui est un levier pour moi extraordinaire, c'est les zones franches urbaines ou les territoires entrepreneurs qui est quand même pas là. Mais une des réponses, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la solvabilité des commerces. On le sait, les trois premières années sont essentielles dans un commerce. Donc, si il y a un bon coup de pouce, comme on dit, des collectivités, et s'il y a des mesures fiscales qui sont à la fois allégées, voire reportées, eh bien, ça permet encore une fois de donner du sens. On se rend compte qu'il y a certains commerçants qui sont à peine au SMIC, à peine au RSA. Eh bien, il faut aussi impérativement les aider. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure, on est sur une dynamique d'hôtels, de pépinières d'entreprise depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc, on a simplement, qui est d'actualité, on a accompagné une start-up qui s'appelle Voxa Direct, qui fait la traduction, vous voyez, donc Vélotipeee. Et d'ailleurs, elle traduit les discours du président de la République. Depuis maintenant quelques mois, c'est une entreprise hérouvillaise qui traduit la traduction des propos tenus par le gouvernement, mais aussi d'autres entreprises qui font du télétravail. Donc aussi, on accompagne aussi sur tout ce qui est volet des commerces de proximité. Et ça, c'est aussi très important. Et donc, on les accompagne tout au long de 3 ans. Et puis, au bout de 3 ans, on leur donne aussi la capacité ou la possibilité de pouvoir, encore une fois, se développer avec des mesures fiscales et incitatives qui permettent justement de solvabiliser les commerces de proximité. Mais il y en aurait tellement d'autres, donc je laisserai bien sûr la parole. Mais je me permets, monsieur le maire et vice-président de région, de rebondir, c'est que sur vos propos, à savoir la nécessité de travailler en proximité, la nécessité de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes, parce qu'effectivement, dans les territoires, les écosystèmes sont foisonnants, et c'est un peu l'esprit du programme Entrepreneuriat pour tous. Le programme Entrepreneuriat pour tous, c'est le programme de BPI France, que BPI France déploie avec l'ensemble de ses partenaires, justement, pour, faciliter l'accès à l'offre, animer les communautés entrepreneuriales et accélérer les entreprises. L'enjeu, on part du constat que vous avez évoqué tout à l'heure, que Élise a très bien présenté. Il y a effectivement une appétence et un désir d'entreprendre dans ces territoires prioritaires. Il y a des solutions qui existent, qui sont opérées par les réseaux d'accompagnement et par toutes les associations qui incarnent finalement la dynamique entrepreneuriale de ces territoires prioritaires. L'enjeu, c'est de faciliter leur rencontre. Et donc, dans le cadre du programme Entrepreneuriat pour tous, effectivement, comme l'a très bien rappelé Rodolphe Thomas, on déploie par exemple les Cités Labs qui ont vocation à faire le lien entre la population et les
solutions, le bouquet de solutions qui existent localement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vers, aller chercher les entrepreneurs. Au cœur de ce programme, il y a vraiment l'idée de se dire, bah voilà, il y a des publics, des entrepreneurs qui sont en devenir ou en activité, qui vont pas vers les solutions. Parce que soit ils les connaissent pas, ou soit il y a un phénomène d'autocensure, et donc faut aller vers eux. Donc on déploie les cités labs, on déploie les bus, par exemple. Également, il y a toute une logique d'animation des communautés entrepreneuriales. Par exemple, avec la tournée Entrepreneuriat pour tous, c'est l'enjeu de mettre en valeur l'écosystème entrepreneurial, de réunir les acteurs pour développer des synergies, faire ce que font les écosystèmes très bien. La région a évoqué justement la nécessité de rapprocher les acteurs au bénéfice finalement toujours, je dirais, de l'usager, du client final, à savoir les entrepreneurs. L'enjeu, c'est que dans les quartiers comme ailleurs, on puisse concrétiser la promesse, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse aisément accéder aux solutions pour réussir. Donc, il y a toute une chaîne d'accompagnement. Il faut détecter les entrepreneurs, il faut pouvoir les connecter et il faut pouvoir les accélérer. Donc, sur le champ de la détection, il y a un vrai travail à faire, à savoir identifier au cœur des territoires non seulement les entrepreneurs, mais aussi tous ceux qui sont en lien de près ou de loin avec ces entrepreneurs ou ceux qui veulent créer. Donc, ça suppose d'être dans une logique d'écosystème élargi et créer vraiment des démarches d'adhésion à l'échelle des territoires. Pour ce faire, je vais passer la parole à Yacine Gerbas, qui va évoquer le travail qu'ils font à Dunkerque. Je sais que l'association Entreprendre Ensemble porte des Cités Labs et il pourra nous expliquer de quelle manière ils s'engagent et mobilisent les acteurs et les partenaires pour détecter les entrepreneurs sur le territoire. Yacine Gerbas. Merci beaucoup, Ahmed. Ben, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis Yacine Gerbas, responsable d'un département entrepreneuriat d'une association qui est basée à Dunkerque. Je suis moi-même originaire des quartiers prioritaires et j'ai été président pendant ma jeunesse de nombreuses associations dans les quartiers. Puis j'ai été juriste et mon retour à Dunkerque s'est fait il y a quelques années. Et depuis 3 ans, je dirige un département dédié à l'entrepreneuriat. Et Ahmed, merci beaucoup pour cette invitation, parce que depuis cet été, notre travail local commence à être reconnu avec l'émergence de 2 Cités Labs qui sont arrivés cet été sur le territoire et l'organisation à venir, peut-être on va voir en fonction du Covid, de l'étape régionale de BPI entrepreneur pour tous. Donc l'idée pour moi principalement, c'est de m'adresser aux accompagnateurs ou aux structures qui souhaitent développer des projets d'entrepreneuriat dans les quartiers et de répondre à la question comment agir concrètement au quotidien pour les entrepreneurs des quartiers. Donc déjà, c'est un honneur pour moi de représenter quelque part les Cités Labs de France, d'être à cette table ronde aux côtés de réseaux nationaux et de personnes qui portent une parole forte pour les quartiers prioritaires. Donc merci à toi Ahmed, je remercie aussi Hervé Ducrot, notre référent local, et tous les financeurs qui nous permettent de nous développer au quotidien, que ce soit l'Association nationale des groupements de créateurs, les régions, et on a un représentant ici des régions, que ce soit les services de l'État ou de l'agglomération. Et du coup, Yacine, oui, est-ce que tu pourrais justement nous dire quel est ce défi de détecter les entrepreneurs? Ouais, je vais y venir. Je voulais principalement d'abord parler d'une stratégie nous qu'on mène à Dunkerque au sein de mon département depuis 2 ans, qui était une stratégie de double écosystème, comme on l'appelle avec l'équipe. C'est un pied dans l'insertion professionnelle et un pied dans l'entrepreneuriat, qui nous permet de proposer une offre de proximité, d'aller vers et à destination de nos usagers. Donc notre département est dans une association qui s'appelle Entreprendre Ensemble, qui réunit 170 salariés et à peu près 8 millions d'euros de financement public, et on réunit des dispositifs tels que la mission locale de l'agglomération, les maisons de l'emploi, le PLI qui est le plan local d'insertion et d'emploi du territoire, et 2 écoles de la deuxième chance. Donc le fait d'avoir implanté notre département et notre Cité Lab, j'y reviendrai tout à l'heure, au sein de cet écosystème d'insertion, nous permet de faire bénéficier des dispositifs emploi, que ce soit les aides à l'emploi classiques, éventuellement pour les plus jeunes, le service civique, les PACEA pour ceux qui connaissent les dispositifs de mission locale, la garantie jeune, et d'avoir accès en interne au sein même de notre département entrepreneuriat
et à proximité du Cité Lab qu'on développe, de tous les dispositifs d'insertion professionnelle. On a même au sein de l'équipe un conseiller en insertion professionnelle qui permet de faire bénéficier à nos usagers d'aides directes qui sont liées à ces sujets-là. Notre deuxième pied, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, on fait partie d'un écosystème qui est la maison d'entrepreneuriat La Turbine. C'est le nom que ça porte localement. Mais assurément, dans vos agglomérations, vous devez probablement avoir ce type de dynamique parce qu'elle se développe assez généralement. Et donc, on a intégré la maison d'entrepreneuriat locale aux côtés de la boutique de gestion, de la plateforme initiative, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers. Et nous, association d'insertion, on a intégré le dispositif de maison de l'entrepreneuriat local et on fait partie du conseil d'administration désormais. Donc, ce qui nous permet de faire bénéficier à nos publics, d'être dans les jurys et d'être dans les réseaux. Tout à l'heure, on voyait que les usagers disaient manquer de réseau, mais en effet, le fait que nous, on ait du réseau, ça permet également à nos usagers d'en avoir. Donc, on est membre des jurys de Prix Ato Zéro Plateforme Initiative, de subventions, on leur permet des accès à la formation et tous les dispositifs dédiés à l'entrepreneuriat. Plus spécifiquement, nous, on a principalement ces deux objectifs assez humbles. L'un, c'est faciliter l'accès aux droits. Tout à l'heure, on en a parlé, ça faisait partie des freins qui avaient été cités tout à l'heure. Et notre deuxième objectif, c'est de sensibiliser à l'entrepreneuriat. Pour faciliter l'accès aux droits, plutôt pour parler de sensibilisation à l'entrepreneuriat et d'accès aux droits en même temps, on organise énormément d'événements. C'est un peu notre marque de fabrique, c'est d'organiser des fêtes, principalement au sein des quartiers. Donc on est labellisé Startup Weekend, on a des accélérateurs, des hackathons, on organise des petits déjeuners avec une équipe plutôt dynamique. Et les dispositifs que l'on développe nous en propre pour les habitants des quartiers prioritaires sont une bourse quartier. Là, il y a eu beaucoup d'aides qui ont été développées par l'État cet été sur le plan été et le plan automne, qui nous a permis d'avoir des bourses à destination des entrepreneurs des quartiers en direct. On a un dispositif qui s'appelle le groupement de créateurs qui nous permet de développer l'accompagnement à la création d'entreprises pour tous les usagers demandeurs d'emploi. Et enfin, le Cité Lab, qui est en fait le fruit d'une démarche que l'on a montée depuis 2 ans, qui était en faveur des territoires fragiles et d'aller vers. Et donc, on avait avant même d'être labellisé par BPI, on avait monté un dispositif similaire qui nous a permis d'aller au sein des quartiers, de référencer une cinquantaine de structures associatives sur les territoires. On s'était beaucoup inspiré des déterminés qu'on avait vus aussi éclore à ce moment-là sur Internet. Et du coup, voilà comment on a pu développer un écosystème fort à destination des territoires et notamment des habitants des quartiers prioritaires. Merci beaucoup Yacine. Donc si je comprends bien, développer un écosystème fort à destination des entrepreneurs des quartiers. Dans ta présentation, tu as bien évoqué la nécessité de croiser des écosystèmes, de ne pas se contenter de l'écosystème de l'entrepreneuriat, mais aller chercher le service public de l'emploi, aller chercher les associations. Tu as évoqué également la nécessité de poser des ponts, littéralement, c'est un peu constituer un réseau pour les entrepreneurs qui n'en ont pas. Également aussi, repenser les approches, plutôt que d'être dans des approches institutionnalisées, trop formel, aller au cœur des quartiers, organiser des fêtes pour justement fédérer, des fêtes pour parler, démystifier l'entrepreneuriat qui peut sembler un peu éloigné. Et encore, en conclusion, tu as parlé du dispositif Cité Lab. D'ailleurs, tout à l'heure, Monsieur Rodolphe Thomas l'a évoqué, la région Normandie est d'ailleurs la première région où on a développé le dispositif à l'échelle régionale, à savoir des hommes et des femmes dont le métier, c'est vraiment de détecter, d'aller sur le terrain, d'aller chercher vraiment, d'aller prospecter comme un entrepreneur, aller chercher les entrepreneurs dans les territoires pour les préparer, travailler sur 2 leviers, à savoir la posture entrepreneuriale et donc vraiment l'estime de soi, et l'autre levier, à savoir aider à structurer le projet entrepreneurial pour pouvoir l'orienter. La finalité, c'est vraiment orienter vers l'écosystème des réseaux d'accompagnement. Donc, il y a un vrai sujet de préparer les entrepreneurs pour mieux les connecter. J'aimerais donc passer la parole à 3 intervenants qui déploient des accélérateurs en partenariat avec BPI France. Un accélérateur, c'est un dispositif qui va proposer du conseil individuel, de la formation collective
et de la mise en réseau, vraiment connecter les entrepreneurs aux ressources qui vont les aider à réussir. Tout d'abord, j'aimerais passer la parole à Moussa Camara pour qu'il puisse nous présenter l'accélérateur émergence porté par les déterminés qui ont une réelle expertise pour non seulement sourcer et accélérer les entrepreneurs à potentiel des quartiers. Bonjour Moussa. On t'entend pas. Là, c'est bon. Bonjour à tous. Merci Ahmed pour l'introduction. Rapidement, pour présenter les déterminés, je pense que voilà, comme tu l'as introduit, c'est une structure qui accompagne depuis plus de 5 ans. Dans les quartiers, on s'est spécialisé dans les quartiers parce que, en tant qu'entrepreneur des quartiers, ce qui nous manquait souvent, et c'est ce qu'on a vu dans les mots-clés, c'est le réseau, c'est l'accompagnement, et c'est aussi parfois le financement. Donc, beaucoup d'entreprises qui se lançaient à l'époque, moi, je suis parti du constat où moi-même, j'ai lancé ma boîte. Et quand j'ai lancé ma boîte, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amis à moi qui ont essayé de lancer leur boîte, qui n'ont pas forcément réussi. Et en fait, l'information, déjà, tu ne l'as pas parce que tu ne connais pas les réseaux d'accompagnement. Et même si tu les connais, tu n'oserais pas, franchement, déjà aller franchir ces barrières-là. Donc, de ce constat-là, on s'est dit que nous, voilà, on allait apporter, en fait, de notre expertise, pas l'accompagnement, c'est pas vraiment l'accompagnement. L'idée, c'était pas de se substituer au réseau qui existait déjà, et tout au contraire, c'était de créer une passerelle entre tous ces entrepreneurs qu'il y avait dans nos quartiers et les réseaux d'accompagnement et tout ce qui existait, en fait, dans l'écosystème, qui était pour avant, à l'époque, c'était très, très éloigné. Et en fait, on s'est dit, à ce niveau-là, nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aussi apporter notre pierre là-dessus. Et du coup, on s'est mis à réfléchir à un modèle. Le modèle, il a très, très, très vite évolué parce que l'idée, c'était de se dire, on peut pas accompagner tout le monde, mais nous, on va pas regarder le projet ou le business plan, on va pas regarder les diplômes, on va regarder l'état d'esprit. Et parce qu'on s'est dit que pour créer une boîte, ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Il faut vraiment être motivé. Souvent, on parle de l'entrepreneuriat et tout, etc. Mais l'entrepreneuriat, moi, j'ai vu que ça a pu mettre en difficulté beaucoup de personnes, limite les mettre dans la précarité. Donc du coup, l'idée, c'était pas d'envoyer tout le monde vers l'entrepreneuriat, mais c'était vraiment d'apporter une expertise et un accompagnement à des personnes qui étaient sûres d'elles et qui étaient sûres d'aller vers l'entrepreneuriat. Parce qu'avec tous les sacrifices que ça nécessite, toutes les difficultés, tout aussi l'environnement, qu'on maîtrise pas forcément au départ, ça a été pour nous une plus-value qu'il fallait qu'on arrive à apporter. Et du coup, on a mis en place une formation qui est gratuite, qui accompagne pendant plus de 6 mois des femmes et des hommes qui sont sûrs d'aller vers l'entrepreneuriat. Et de là, nous, où on a pu évoluer vraiment, c'est dans notre contenu pédagogique, parce qu'on s'est dit, voilà, aujourd'hui, on a des personnes qui sont diplômées, d'autres qui sont pas forcément diplômées. Ce qui compte pour nous, ce qui compte le plus important pour nous, c'était vraiment tous ces freins que les gens pouvaient se mettre, c'était de leur apporter toute cette expertise. Et donc, on a dû travailler, on a dû refaire nos plans, on a dû bien définir un plan stratégique, pédagogique, qui allait être très concret pour que quand les gens ils rentrent dans notre formation, à la fin de cette formation, ils puissent être au clair au maximum avec eux, soit ils créent leur boîte tout de suite, soit ils vont encore dans l'accompagnement, ou soit ils pivotent, ou soit ils abandonnent le projet pour aller vers l'emploi. Et ça, c'était un axe sur lequel on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, voilà, le projet se développe. Après, ce qui a été beaucoup plus important pour nous, ça a été vraiment le travail de terrain. Le travail de terrain, ça a été tout. Au-delà de la communication et tout, la présence, le temps à la personne passé avec chaque entrepreneur, pour nous, c'est quelque chose qui fait la différence tout de suite, parce que au bout de plus de 1000 personnes qu'on a sensibilisées, plus de 300 personnes qu'on a accompagnées sur du long terme, on a quasi presque aucun abandon pendant toute la durée de la formation. Les gens, quand ils rentrent, le fait qu'on les sélectionne, ils restent jusqu'au bout. Et en fait, de cette expertise-là, on a voulu mettre ça à disposition de tous. À la base, c'était un programme qui était vraiment développé en Île-de-France. Et après, voilà, au fait de nombreuses demandes qu'on a reçues dans plusieurs territoires et de plusieurs personnes qui voulaient qu'on exporte ce projet dans leur ville ou dans leur quartier, l'objectif a été pour nous de trouver aussi des partenaires qui puissent nous suivre. Et c'est là que BPI France, avec qui on a
travaillé sur une offre qui nous a permis de nous développer dans plusieurs villes de France depuis cette année fortement, mais on avait commencé en 2017. Et là, l'objectif, c'est vraiment encore d'accompagner le maximum de porteurs de projets, de voir comment la synergie elle peut être en lien avec tous les dispositifs d'accompagnement, parce qu'en réalité, nous, comme on dit, les entrepreneurs qu'on accompagne, ils nous appartiennent pas, c'est pas nos entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs. Et moi, je leur dis toujours, soyez opportunistes en fonction de vos projets. C'est-à-dire, s'il y a un réseau qui peut prendre la suite, accompagner, et que la chaîne de valeur de la création d'entreprise est bien suivie pour les entrepreneurs, bah là, on maximise les chances de réussite de cet écosystème. Il faut savoir, parce que les entrepreneurs qui sont accompagnés chez nous, au bout de 3-4 ans, ils résistent, quoi. Ils existent toujours. Là, c'est vrai qu'on traverse une période un peu compliquée, mais malgré ça, ils sont toujours autant impliqués dans leur projet. Parfois, ça prend du temps parce que, en fonction des secteurs d'activité, mais en réalité, ce qu'on est en train de créer avec les déterminés et même dans le dispositif que accélère Entrepreneuriat pour tous, je pense que dans 3-4 ans, on va démultiplier le chiffre de personnes qui veulent créer leur qui soit créer leur entreprise, soit veulent créer leur entreprise et qui vont pour la plupart être dans un réseau et dans un écosystème qui va leur permettre de réussir. Et aujourd'hui, c'est tout à l'heure, on parlait de l'étude là, de BPI France Terra Nova. On regarde que les freins qui manquent, c'est vraiment l'accompagnement. C'est vraiment déjà d'aller sourcer, de convaincre les entrepreneurs de se faire accompagner. Une fois qu'on a convaincu les entrepreneurs et qu'eux sont même eux-mêmes sont convaincus de se faire accompagner, bah l'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que tout de suite après, que tous les réseaux se mettent en marche pour faciliter. En fait, il faut que ça soit facile. Et souvent, parfois, c'est pas facile parce qu'il y a plusieurs informations. Quand on est jeune entrepreneur, on commence, on pense pas tout de suite, on n'a pas les réflexes tout de suite de dire ah bah là, il faut que je vais voir telle personne peut m'accompagner. Et en fait, tout ça, dans tout le dispositif qu'on travaille, il y a un vrai travail de mise en relation, d'accompagnement, d'information et après de développement. Merci beaucoup Moussa. Merci beaucoup Moussa Camara. Donc si je comprends bien, donc il y a un vrai travail individuel. J'ai un petit souci internet, je sais pas pourquoi. Vous savez, moi j'habite à la campagne, hein, Sergi. Tout le monde m'entend ? Oui. Donc merci beaucoup Moussa Camara. Merci beaucoup Moussa Camara. Donc si je comprends bien, donc il y a un vrai travail en proximité avec les entrepreneurs. Il y a un vrai enjeu à travailler les synergies pour justement assurer un continuum, à savoir une fois qu'il sort de l'accélérateur, comment il va continuer par être accompagné par d'autres partenaires qui vont apporter une autre valeur ajoutée. Et parmi les éléments que tu as évoqués aussi, il y a vraiment l'idée que finalement, chaque entrepreneur, il a besoin de trouver l'accompagnement qui lui ressemble, l'accompagnement dont il a besoin. Peut-être que Michel Coster, tu pourrais évoquer, finalement réagir sur cet aspect-là grâce à l'accélérateur que vous déployez dans le cadre d'entrepreneurs dans la ville. Michel ? Oui, Ahmed, oui, ça coupe un peu. Moi, je suis en Haute-Savoie, c'est pas très stable tout le temps, donc je suis désolé. Oui, donc pour rebondir sur ta problématique, on a élaboré quelque chose d'assez original à Lyon et ça s'est dupliqué à Paris, puis à Lille, puis à Marseille, puis à Saint-Étienne cette année, qui repose sur quelque chose qui était une double compétence, une compétence qui était portée par Sport dans la Ville, qui est une association d'insertion assez en pointe en France sur l'insertion des jeunes QPV par le sport et l'emploi. Et avec Philippe Audoux, son directeur général, on a décidé il y a une douzaine d'années de grouper nos forces, eux connaissant bien les jeunes des QPV et leurs problématiques personnel social avec EM Lyon qui est une école très fortement ancrée dans l'entrepreneuriat. Et donc on a lancé ce programme Entrepreneur dans la ville il y a à peu près une douzaine d'années et ça a fait énormément de petits puisqu'on a aujourd'hui à peu près 250 entreprises qui se sont créées et grâce à BPI une forte capacité de déploiement national dans les cinq villes que je viens de citer.
Nous, ce qui fait peut-être notre spécificité, c'est cette double approche par les personnes, par leurs écosystèmes, et le fait de l'enrichir par l'écosystème d'une business school. Ce dont je m'aperçois, c'est que les jeunes que nous recevons, que nous voyons, prennent beaucoup, beaucoup de plaisir, et en plus, ça fait partie du fait de les faire grandir, de les mettre sur les bancs d'une business school où ils côtoient d'autres jeunes qui entreprennent. Donc, on a entrepris, on a décidé d'aller dans le sens de, et l'entrepreneuriat pour tous est dans cette vision-là, de considérer que ces jeunes QPV étaient des entraîneurs comme tout le monde et ils sont au milieu des autres entrepreneurs de Mion qui peuvent les amener à être suivis, coachés, conseillés par un autre public de notre école. Et c'est très, très, très riche pour tout le monde, c'est-à-dire pour le public Mion comme pour le public entrepreneur dans la ville. Donc, ce quoi j'ai envie de témoigner, nous, c'est qu'on a bien entendu travaillé le mindset, on a travaillé l'état d'esprit, on a travaillé la posture énormément, on a fait prendre confiance dans leur capacité à ces jeunes en leur montrant que finalement tout ça c'était possible et on a axé notre travail de 24 mois puisqu'il y a un programme starter plus tourné sur la formation qui dure 6 mois et après un programme d'incubation qui dure 18 mois. On a mis énormément d'accent sur quelque chose qui est peut-être pas beaucoup apparu mais qui pour nous est un vrai problème, c'est que les jeunes arrivent à trouver des business models qui soient viables. Le financement, quand le business model est viable, on le trouve. Donc, on a beaucoup plus mis l'accent sur les problématiques d'analyse de marché, quel qu'il soit, pour quel type de projet que ce soit, et on a apporté des compétences fortes en marketing, voire en marketing d'innovation, pour que chaque projet issu du monde QPV ils puissent être dans la même dynamique d'innovation que n'importe quel projet. Il n'y a pas de raison que des jeunes QPV ne soient pas dans l'innovation, qu'elle soit d'usage, qu'elle soit technique, qu'elle soit marketing. Le deuxième point qu'on a mis en avant, c'est le fait que la tech, la dimension tech est mise à leur disposition. Nous avons un lab, un Makers Lab à l'intérieur de Mion avec des imprimantes 3D avec des réalités augmentées. Tous ces outils sont mis à leur disposition pour qu'ils arrivent à prototyper leurs offres et à les tester en grandeur réelle. On leur offre ces outils tech qui leur permettent de passer notamment à l'échelle. C'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension qu'on met de plus en plus en avant, c'est les forces d'une école qui vont rejoindre celle d'entrepreneur dans la ville. On souhaite que chaque jeune d'entrepreneur dans la ville soit accompagné, soit soutenu par un autre jeune qui entreprend, qui n'entreprend pas, qui est issu du public EMION pour travailler cette mixité entre les différents publics. Et à travers ces trois piliers, on s'aperçoit qu'on a, sur ces dernières années, beaucoup contribué à renforcer, à solidifier les projets. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est qu'en tout cas sur la place de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, Saint-Étienne et Lyon, on travaille en étroite collaboration avec BPI, Claude Sabatin notamment, qui est toujours avec nous, avec des idées aujourd'hui qui seraient de mixer ce public EDLV avec des organismes qui soient dans les métiers artisanaux, les métiers commerciaux, de façon à trouver la capacité à donner des dimensions entrepreneuriales à des gens qui sont plutôt dans une dimension artisanale et d'avoir des doubles approches de gens qui les aideraient à se former dans un métier et nous qui les aiderions à s'entrepreneurialiser à travers toutes les méthodes dont je viens de parler. Donc voilà un peu cette idée. Moi, je veux pas parler d'insertion, je veux pas parler d'usagers, je veux parler de jeunes qui veulent entreprendre, réussir leur vie à l'image de tout le monde. Merci beaucoup, Michel. Moi, je retiens ta présentation qu'effectivement, que l'on considère finalement ces entrepreneurs comme des entrepreneurs comme les autres. Et l'enjeu, c'est de leur permettre d'accéder aux solutions d'excellence. Tu as parlé d'innovation, tu as parlé de tech, et tu as parlé aussi de faire rencontrer des publics qui se côtoient pas forcément, les croiser avec l'écosystème de l'EM Lyon. Peut-être que Mohamed Adou,
pu réagir sur ces aspects, car je crois que dans leur programme d'accélération, il y a un vrai enjeu de, je dirais, de poser des ponts, poser des passerelles entre des écosystèmes. Oui, merci Ahmed. Bonjour à tous. Donc, moi, Ahmed Adou. D'abord, dire que l'association Créo, qui est née maintenant il y a près d'une quinzaine d'années, en 2006, c'est une association qui a vu le jour par la volonté d'entrepreneurs de quartier, dont je fais partie, et qui s'adresse à des entrepreneurs de quartier. Donc, en effet, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit à travers les différentes interventions. Et noter que, en fait, dans ces quartiers, la réussite, elle a toujours existé, elle a toujours été présente. Maintenant, puisque l'exercice auquel on doit se prêter cet après-midi, c'est comment mieux servir les entrepreneurs de quartier, je pense qu'une journée comme celle-là, eh bien, contribue à mieux les servir, puisque on peut noter à travers les différentes interventions la richesse des dispositifs existants et des propositions à destination de ces entrepreneurs. Et ce qui est à l'œuvre actuellement, et je trouve rassurant et inédit, puisque l'ensemble des dispositifs d'accompagnement sont en train d'œuvrer dans le même sens pour offrir une meilleure lecture de la première manière de mieux servir ces entrepreneurs, c'est de leur démontrer que tous ces dispositifs d'accompagnement sont prêts à leur apporter tous les moyens pour réussir à différentes étapes de ce continuum d'accompagnement. Et ça, je dirais que c'est le premier bon signal qu'on attendait depuis cette dernière décennie. Donc, bravo à BPI d'avoir pris le lead là-dessus. Maintenant, à chacun d'entre nous, de rendre intelligible ce parcours. Effectivement, rappelait tout à l'heure Moussa, on n'a pas vocation à accompagner tout le monde tout le temps. D'abord, il y a trop d'entrepreneurs qui attendent un accompagnement et ensuite, l'offre proposée par chacun d'entre nous ne peut pas répondre à toutes les attentes des entrepreneurs. Par contre, on sera beaucoup plus fort à agir en écosystème et être des dispositifs qui organisent le chemin qu'il le balise pour l'entrepreneur afin qu'il soit au bon endroit, au bon moment et qu'il puisse tirer parti, qu'il puisse tirer profit de tous ces avantages. Et quand BPI France Le Lab entreprend ce genre d'études pour éclairer justement à travers cette étude présentée tout à l'heure par Élise toute la richesse mais aussi les attentes en face des entrepreneurs, ça contribue fortement à nous rendre plus efficaces. Ensuite, je pense que l'enjeu à venir auprès des entrepreneurs, d'abord, il est très simple, et en particulier dans la période dans laquelle on vit. Accompagner nos entrepreneurs vers la réussite, c'est évident. Mais on sait tous que pendant les 12 premiers mois, les 18, voire 24 premiers mois, soit ils ne se rémunèrent pas, soit ils ne gagnent pas suffisamment leur vie. Donc, la première chose que l'on doit accomplir de concert, c'est comment on rend viable rapidement leur entreprise. Donc, nous, on a essayé d'organiser un programme entreprise à tous, un programme stimulé de manière différente nos entrepreneurs tout au long de ce programme d'environ 18 mois. D'abord, un premier programme dans lequel on a élaboré, pas une formation, mais une transformation, dans lequel on va leur apporter un certain nombre de dispositifs en mobilité qui vont leur permettre d'appréhender tout leur projet de manière prototypée. C'est-à-dire que le plus vite possible... Mais il te reste 30 secondes. D'accord. Et tout va aller bien, c'était le sportif parmi nous, comme on atteste la salle. 20 secondes. En 30 secondes, donc effectivement, c'est comment rendre viable le business de nos entrepreneurs. Et donc pour ça, on a un parcours dans lequel il y a effectivement des formations en mobilité. La mobilité est au cœur de notre réflexion et c'est un outil pédagogique pour nous. Dans ces quartiers, on a du mal à en sortir et donc justement, les formations, elles ont lieu chez nos partenaires, donc PF1, Randstad, L'Oréal et autres.
Et ces partenaires-là, aussi, c'est une de nos marques de fabrique, c'est des acteurs actifs auprès de nos entrepreneurs, parce qu'on a développé ces 10 dernières années un parrainage assez particulier. Ce sont les collaborateurs de ces grands groupes qui viennent apporter pendant 6 mois un regard extérieur, un soutien, leur réseau, tout leur savoir-faire et tout leur savoir-être pour contribuer, comme le reste de nos experts et coachs, pour leur apporter un accompagnement un peu différent à travers ce parrainage et merci augmenter Mohamed. Leur chance de... Voilà. Merci Mohamed, bravo pour la prouesse. Donc très concrètement, si je comprends bien, l'entrepreneuriat c'est un sport collectif et il y a vraiment l'enjeu de mettre tout le monde en synergie et proposer des solutions d'excellence. Tu parles de la nécessité de mettre les entrepreneurs en mouvement, tu parles de mobilité, faire le lien avec des acteurs qui côtoient pas forcément, c'est aussi les acculturer à d'autres mondes, d'autres univers. L'accompagnement, c'est effectivement un sport collectif, il y a nombreux acteurs qui contribuent finalement à transformer l'essai. Ayat Mazouza, Positive Planet, vous pouvez nous présenter rapidement l'action de Positive Planet et comment vous contribuez vous aussi à accompagner les entrepreneurs dans cet écosystème. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, Ayat Mazouza, responsable de l'impact et du plaidoyer pour Positive Planet. Tout d'abord, je tenais à remercier la BPI de nous offrir justement l'occasion d'échanger autour de ces sujets qui sont hautement importants pour nous tous. Donc, merci pour ça. Alors, Positive Planet, c'est quoi en quelques mots? Positive Planet, c'est une loi... C'est une association, loi 1901, qui a été créée au lendemain des révoltes urbaines, révoltes de banlieue, qui portaient un certain nombre de revendications sociales et économiques. Et nous, notre positionnement a été de placer l'entrepreneuriat comme un levier justement d'inclusion économique des personnes résidant en quartier. Donc en quelques chiffres, on est à peu près 70 collaborateurs et collaboratrices. On couvre 150 quartiers, donc UPV, répartis entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la région Rhône-Alpes, la Normandie, la région PACA. On a une quarantaine de lieux d'accueil. On est au cœur des quartiers. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à noter. Et on a, depuis notre création, accompagné à peu près 7800 entreprises et donc 8900 emplois. Pour répondre aux questions qui nous sont posées aujourd'hui, à savoir premièrement comment mieux détecter ces entrepreneurs. Alors, c'est peut-être un tout bête, hein, et puis finalement, ça résume bien tout ce que tous les autres avant moi ont pu dire. C'est déjà être sur le terrain, en fait, mailler les territoires. C'est absolument capital de développer, mais aussi consolider un réseau de prescripteurs. Il faut se faire connaître pas uniquement auprès des acteurs de l'insertion ou du développement économique, mais aussi de tout le tissu associatif et culturel qui sont dans les territoires, qui peuvent être aussi des relais, mais aussi des prescripteurs de profils. Nous, chez Positive Planet, aujourd'hui, on a à peu près 64% de notre flux de porteurs de projets qui est orienté par des organisations partenaires de l'emploi, dont 33% de Pôle emploi, mais aussi des acteurs de l'insertion et du développement éco. Mais on a aussi quand même pas mal de bouche à oreille, c'est à peu près 19%. Et bien évidemment, aussi des actions de communication, de plaidoyer, de sensibilisation qui vont venir attirer les 17% restants. Le deuxième levier pour détecter ces entrepreneurs, alors ça, c'est quelque chose auquel on croit et moi, je suis intimement convaincue que c'est super important d'entendre tout à l'heure Élise parler de la question des représentations qui n'est pas du tout anecdotique, qui est absolument capitale. Il y avait une activiste afro-américaine qui était justement spécialiste des droits civiques aux US, qui s'appelle Marianne Wright Edelman et qui disait « You can't be what you can't see ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas se projeter, on ne peut pas imaginer faire avancer aussi une culture entrepreneuriale si on n'identifie pas, pardon, et on ne met pas aussi en valeur des personnes qui ont entrepris, qui ont aussi réussi positivement. Et c'est là tout le travail qu'on essaie de faire, nous, en identifiant ce qu'on appelle, nous, des positiveurs. Sur notre site internet, vous allez voir, il y a toute une page qui leur est dédiée pour un peu raconter cette histoire, quoi. C'est pas simplement des porteurs de projets, c'est des humains, en fait. C'est des personnes avec qui sont traversées par un certain nombre de facteurs et qui ont décidé d'entreprendre pour certaines raisons. C'est important de leur donner un visage. Je me permets, je disais merci beaucoup, Ayat, et je me permets, parce que comme tu m'as tendu la perche, je
me permets de rebondir. C'était la question que j'invite finalement l'ensemble du panel à répondre à cette question. C'est celle des représentations et comment déconstruire justement les a priori sur les entrepreneurs des quartiers, sur leurs activités, etc. Quels sont aujourd'hui les imaginaires? Est-ce que la mission que vous portez tous collectivement, c'est aussi reconstruire ces imaginaires? Alors, si je peux du coup terminer pour aussi répondre à cette question-là, il y a un rapport qui est sorti du CGET, en tout cas commandé par le CGET, mais réalisé par Crédoc, qui est paru le 5 novembre, donc c'est la semaine dernière, et que je vous invite d'ailleurs tous à lire sur la question de l'image, en fait. Et on voit qu'il y a encore une majorité de Français, et surtout ceux qui n'habitent pas dans les quartiers, qui ont une vision assez négative des quartiers. On y lit aussi qu'il y a tout un rôle qui est porté par les médias. On voit qu'on a 85% des personnes qui se forgent aussi leur image par le média principal chez eux, c'est la télé. Donc, il y a tout un sujet aussi, effectivement, sur comment on les dépeint, parce qu'on peut les accompagner. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que tout ce qui a été dit était assez pertinent. On fournit tous de l'accompagnement qui part de l'idée jusqu'à l'immatriculation. On fait tous des choses en post-création, etc. Ça, je pense que la table d'aujourd'hui l'a assez montré. Ce qu'on essaie de faire quand on parle de positiveur, c'est vraiment de se dire qu'on accompagne des créateurs, mais des créateurs qui ont conscience aussi du monde dans lequel ils vivent aujourd'hui, qui ont conscience de ces défis et qui vont peut-être insérer aussi une brique un peu plus responsable aussi à leur business. C'est un peu ça, peut-être la coloration que nous, qu'on essaie de donner. Mohamed Adou, peut-être vous pouvez réagir, ou également Michel Coster ou Moussa Camara, à savoir quels sont finalement les entrepreneurs qui sortent de ces accélérateurs. Est-ce qu'ils répondent à des clichés? Est-ce qu'ils sont loin des clichés? Est-ce qu'ils peuvent aussi participer à être les positiveurs ou des rôles modèles, je dirais, pour inspirer et raconter d'autres imaginaires sur ces territoires? Oui, alors peut-être pour répondre à ta première question qui était sur la partie, est-ce que la question sur le développement personnel, en fait, sur les freins, en fait, qu'ils ont intérieurement. Moi, ce que je voulais juste dire sur ce point-là, c'est qu'il existe de nombreux outils aujourd'hui, notamment sur la base du développement personnel qui existent et qui sont de plus en plus utilisés, plébiscités par les entrepreneurs qui viennent. Simplement, ils ne sont pas connus, pas suffisamment connus dans nos quartiers. Et même quand ils le sont, ils sont boudés, en fait, parce que quand tu abordes la question, par exemple, des blessures, ou quand tu abordes un certain nombre de sujets qui vont chercher en profondeur dans chacune des personnes intimement, c'est assez compliqué d'aborder ces sujets-là. Et donc, il faut envisager de le faire sous des formes un peu inattendues. Nous, par exemple, on organise un voyage avec eux à l'étranger, à l'international. On les sort de leur quotidien pour aborder avec des coachs et experts ces sujets-là, et pour justement décloisonner ou casser un peu ce fameux plafond de verre que tu as évoqué tout à l'heure. Ou en tout cas pour leur faire prendre conscience de leurs capacités et de leur possibilité à devenir eux-mêmes un exemple pour d'autres. Merci beaucoup, Mohamed Adou. Alors, tout de suite, on va passer au plateau régional. Allez, vas-y, vas-y. On a très rapidement, non, mais, on va passer sur le plateau. Ouais, très rapidement. J'ai souvent, je raconte surtout cet exemple de jeune de quartier. Un jeune qui était en emploi jeune, qui a créé sa pizzeria, pardon, et puis qui s'est lancé dans les nouvelles technologies. Il a créé sa Smartphone Academy, la réparation des portables, des ordinateurs, et il a réussi à décrocher des contrats avec des grandes institutions, telles que les maisons d'arrêt ou pénitentiaires. Mais il faut donner l'envie d'avoir envie, et puis de les rassurer. Je pense que aussi de leur mettre à disposition un environnement économique, un local. Moi, je dis souvent des commerces éphémères, des locaux éphémères, où on les met en situation et ça leur donne aussi une part ou une dose de responsabilité, et ça leur donne d'aller un peu plus loin dans la démarche, parce que c'est vrai que c'est le parcours de combattant pour beaucoup.
Si je peux ajouter une dernière chose par rapport à ce que vient de dire Monsieur de Thomas, en termes de visibilité, c'est vrai que ça peut paraître aussi basique, mais par exemple, créer des tiers-lieux, nous, depuis 2016, on a deux tiers-lieux, un Vénitien à Paris, et là, on lance un concept store où on va permettre à des personnes de pouvoir, sur un temps délimité, de en fait, présenter leurs produits, parce qu'entre le moment, si vous l'aviez très bien dit tout à l'heure, entre le moment où vous avez lancé, immatriculé votre boîte et le moment où vous avez assez d'argent pour louer un espace, il peut se passer des années. Et du coup, comment on leur donne aussi des coups de pouce comme bien ça sûr, en nous mobilisant exactement. Notre énergie, nos ressources pour les mettre en avant. Donc, il y a des, au-delà d'effectivement, il y a l'accompagnement des personnes et des outils très, très concrets qui peuvent les aider finalement à déployer leur activité. Alors, donc, le plateau avec les acteurs régionaux également. Donc, on aura des représentants de la région PACA et également des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pour la région PACA, donc nous avons Marc Chactoura, directeur d'initiative Nice-Côte d'Azur, ainsi que Audrey Leboeuf, chargée de développement de l'Union des couveuses. Alors peut-être tout de suite, je vous demanderai de réagir. Vous avez assisté finalement à ces échanges. Comment vous les appropriez? Quelles réflexions ça vous évoque? Audrey, si tu veux. Je te laisse y aller si tu veux. Prends la main. Merci pour tous ces échanges hyper riches. Effectivement, vous avez beaucoup parlé sur le fait que les entrepreneurs dans les quartiers ne connaissent pas forcément l'ensemble des codes. Et la problématique, c'est que vu qu'on fait une action proactive dans les quartiers, donc on génère des attentes, et malheureusement, quand on va voir ces personnes qui ne connaissent pas le code, malheureusement, beaucoup d'entre eux, ou certains d'entre eux, si j'ose dire, ont démarré l'activité d'une façon soit informelle, soit on voit qu'il y a eu des transactions que malheureusement on ne peut pas valoriser. Et ce n'est pas juste propre à notre territoire, hein. Moi, je pense que c'est propre à tous les territoires et j'ai l'occasion de faire pas mal de régions de France et dans les Outre-mer. Et du coup, c'est quelque chose qui ressort. Et le fait de générer une attente dans l'accompagnement et on détecte à la fois cette activité informelle et du coup, ça amène des freins et des frustrations dans l'accompagnement des deux parties. Et donc, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur ce sujet, parce que c'est une réalité, et puis il ne faut pas la nier, malheureusement, ils ont démarré sans connaissance de l'ensemble des codes. Très bien. Nous, si je peux intervenir, parce qu'on en a quelques-uns, on fait de l'accompagnement pour les habitants des quartiers prioritaires et également pour les habitants tout type de porteurs de projets. Nous, en tout cas, localement, ce que l'on repère, c'est qu'il n'y a pas plus de blacks que ce soit dans les quartiers prioritaires ou en dehors. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et avec qui on instaure une relation de confiance qui nous disent le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. On voit pas ça comme un problème. Par contre, ce qui est important de travailler avec eux, et les équipes qu'on a, nous, sont diplômées et sont qualifiées pour ça, c'est de voir quel va être le coût que va générer la déclaration et la légalisation de l'entreprise. Et principalement, on travaille là-dessus. Mais moi, mes deux remarques, c'est un, il n'y a pas vraiment de différence dans les quartiers, en tout cas à Dunkerque, par rapport au QPV, pas QPV. Et deux, c'est de travailler sur le coût et le prix de la fermeture de l'entreprise si un jour… Principalement, ce qui les inquiète, c'est les coûts et le formalisme. D'accord. Audrey Leboeuf. Oui, donc en fait, ma question, c'est la suivante. Ça concerne l'état d'esprit, en fait, des entrepreneurs qui sont en QPV. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on dispose de 106 quartiers qui sont considérés QPV. Notamment, la moitié est concentrée dans Aix-Marseille, la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc, les couveuses entreprises sont présentes. Il y en a 5 qui sont présentes, effectivement, dans ces quartiers-là pour essayer de redynamiser un peu les cœurs de ville, notamment par la fameuse mise à disposition du numéro Sirette, qui est quand même l'image de marque des couveuses entreprises. Mais on a remarqué quelque chose d'assez concret à l'intérieur de nos interactions avec les entrepreneurs qui étaient issus des quartiers. C'est leur esseulement, en fait. Comment, et là, on s'est posé cette
question-là, et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, c'est comment est-ce qu'on peut enrayer l'isolement chez ces entrepreneurs-là qui ont effectivement, sont déjà étiquetés, qui ont déjà des freins parce qu'ils viennent des quartiers alors qu'ils ne devraient pas y en avoir, et justement, comment on fait pour eux leur apprendre à s'extraire de ces freins-là, et ensuite de ça aussi pour les présenter différemment à l'ensemble du réseau. Voilà, donc j'aimerais vous entendre sur cette question-là de l'enrayement, de l'isolement chez ces entrepreneurs. Merci. Peut-être Moussa Camara ou Michel Coster, je sais que vous travaillez aussi beaucoup à mettre en réseau les entrepreneurs que vous accompagnez. Moi, si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Ouais, déjà dans un premier temps, pour moi, de les sortir d'isolement, c'est déjà c'est de créer des opportunités. Nous aujourd'hui, quand on regarde toutes les formations qu'on fait, on les fait dans les centres-villes, dans les cœurs économiques des villes, parfois dans des lieux emblématiques. Pourquoi c'est pour déjà mettre dans la tête des entrepreneurs qu'il y a pas de barrière. Après, la plupart ils le font pas pour sortir forcément de l'isolement. Ils le font parce qu'ils ont envie d'entreprendre un projet, gagner de l'argent, créer leur propre emploi, entreprendre pour une passion. On n'est pas dans un truc où ils entreprennent pour sortir de la précarité ou de la misère. Au contraire, certains, ils n'ont pas le choix parce que ils savent que le marché de l'emploi, il est totalement fermé et que voilà, c'est compliqué même quand t'as les diplômes, si t'as pas de réseau et tout. Donc, ils optent pour l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, voilà, des rôles modèles, des gens qui entreprennent, qui réussissent, il y en a toujours eu dans le quartier, il y en a encore. Sauf que la mise en lumière, les avoir et de les mettre en avant et tout, ça, il n'y a pas les portes quand t'as un certain réseau. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand tu regardes l'environnement économique de notre pays, il n'est pas divers. Il y a très peu de jeunes, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'arabes. Il y a très peu de gens qui viennent de quartier et tout. Donc, l'écosystème, il est là. Les réseaux économiques qu'il faut structurer, ils sont dans ces quartiers-là. Les gens, parfois, ils créent des entreprises, ils créent des 200 emplois, 300 emplois et tout, dans des domaines qui sont assez innovants. Après, si on parle des levées de fonds, des fonds d'investissement, etc., ça, c'est tout autre chose. Donc, aujourd'hui, il y a aussi un petit entre-soi dans le monde économique, qui fait en sorte que, bien sûr, quand tu es entrepreneur, tu viens d'un quartier, tu dis ce monde-là, il n'est pas pour toi. Tu dis que ce n'est pas pour toi, tu dis que tu ne vas pas forcément arriver. Et pourtant, il y a des chances, malgré ça, malgré que c'est difficile, moi, je vois tous les jours des entrepreneurs qui se lèvent le matin, tous les jours, qui développent des projets, des idées, et qui créent, qui arrivent à générer du chiffre d'affaires. Derrière, ils créent de l'emploi, ils créent de la valeur. Amen. Et derrière, voilà, c'est un impact pour répondre, oui, grosso modo. Ouais, merci beaucoup. Pour Mion et Sport dans la ville et EDLV. Nous, on a un réseau depuis une trentaine d'années de 1500, 1800 entrepreneurs qui sont partis de notre incubateur, notre accélérateur. Et on a ils sont partie intégrante de ce réseau-là. On les branche avec les gens du CJD. Le CJD fait partie de nos mouvements. Il y a un ensemble d'acteurs de l'entrepreneuriat qui sont dans tous les mouvements collectifs d'entrepreneurs qui sont en réseau avec eux. On organise des événements et couramment, ils rencontrent tout un ensemble d'entrepreneurs issus de ces différents réseaux par les événements et par le fait qu'eux-mêmes en font partie puisqu'ils sont éligibles à ces réseaux-là du fait d'avoir fait notre parcours. Donc, pour nous, encore une fois, nous ne les traitons pas comme des entrepreneurs à part. Ils sont dans un collectif. Ils sont dans un collectif beaucoup plus large que le petit monde qu'ils ont autour d'eux. Ils sont immédiatement dans un monde beaucoup plus large. Et c'est toutes nos actions en permanence de créer ces connexions avec un monde, chambre de commerce, chambre des métiers, MEDEF, CGPME, CEPME, CJD. Et ils rentrent en contact avec ces entrepreneurs. Et petit à petit, ils font leur réseau et souvent même très, très, très vite. Parce que je voudrais conclure sur vraiment de mon côté une note vraiment d'optimisme. Je trouve que le monde entrepreneurial historique fait un très bel accueil à ces jeunes entrepreneurs, remarque leur courage, remarque leur audace et prêt à leur donner un vrai coup de main. Et ça, c'est du merci pour cette note. Très d'optimisme. Merci beaucoup, Michel Coster. Merci, Marc Chaktoura. Merci, Claude Leboeuf.
On va passer à la seconde région avec Étienne Taponnier, directeur général de l'ADI, Yves Tavernière, gérant Calade d'Impulsion. C'est une promotion. Bonjour, vas-y, peut-être. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bon, alors, peut-être en attendant qu'Yves lance son micro. Donc, effectivement, Étienne Taponnier, alors pas directeur général, directeur de l'ADI en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Une question, plutôt une remarque, en fait, qui est aujourd'hui un sujet d'inquiétude quand même très fort. Et pour revenir à l'étude dont on a beaucoup parlé, qui est assez remarquable, et notamment sur un des enseignements clés qui m'avait marqué, c'était que, voilà, il y a un sentiment beaucoup plus fort de vulnérabilité qu'expriment les entrepreneurs des quartiers. S'ils sont très ambitieux, optimistes quand ils se lancent, cette confiance, elle s'érode assez rapidement dans les premières années d'exercice, alors qu'ils ne sont pas plus ni moins accompagnés par les structures d'aide à la création d'entreprise. Thierry Puech, en début d'après-midi, rappelait d'ailleurs que bon, 7 sur 10 aujourd'hui passent complètement en dessous des radars par rapport aux structures qui peuvent leur proposer un accompagnement ou des conseils, ce qui est quand même véritablement considérable. Alors, c'est les freins, on les a aussi rappelés, on les connaît, ou ces grands types d'isolement, l'accès aux services bancaires, l'accès, le manque de réseau professionnel ou les compétences un petit peu de base qui permettent une gestion quotidienne de l'entreprise ou parfois simplement d'arriver à se dépatouiller de l'administratif ou des demandes aujourd'hui qui sont de plus en plus digitales qu'on leur impose. Tout ça, tous ces obstacles, toutes ces barrières, aujourd'hui, on est quand même très inquiet dans le contexte économique qu'on traverse parce que elles sont réellement dramatiques, notamment aujourd'hui pour tous les travailleurs indépendants qui ont des revenus modestes, qui sont souvent dans des secteurs d'activité qui sont particulièrement concernés par le confinement, que ce soit des commerces, la restauration, le service à la personne. Et ces baisses de revenus, de chiffre d'affaires, ils n'avaient pas les moyens, par une épargne familiale ou personnelle, réellement d'y faire face. Donc, on est dans un contexte qui est quand même très inquiétant et très grave pour les entrepreneurs aujourd'hui, bon, d'une façon générale, mais plus enclore dans les quartiers. Donc, plus que jamais, je crois qu'on doit aujourd'hui tous se mobiliser pour aller au-devant des entrepreneurs dans les quartiers, les informer, les accompagner à obtenir ce à quoi ils ont le droit. Et là, je pense notamment au fonds de solidarité mis en place par le gouvernement. L'accès a été élargi, mais pour un certain nombre, il faut aussi les accompagner pour leur expliquer comment ça fonctionne. Il existe des financements exceptionnels qui ont été mis en place par les régions. Là également, il y a un travail de sensibilisation à déployer. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui, bien évidemment, mobilise toutes les équipes de l'ADI qui connaissent bien depuis plus de 30 ans les quartiers. On a plus de 40% nous, de nos 450 permanences qui sont implantées dans les quartiers. Mais on a réussi assez facilement à informer et à mobiliser les entrepreneurs qu'on avait financés. Ils sont plus de 10 000 aujourd'hui dans les QPV à avoir un prêt en cours de remboursement à l'ADI. C'est beaucoup plus difficile de toucher les entrepreneurs qui sont déjà en activité, qui se sont lancés tout seuls et qui n'ont pas justement cette proximité avec les réseaux que l'on vient d'évoquer. Donc, merci voilà, beaucoup. Je voudrais lancer un message sur l'importance aujourd'hui de la prise en compte finalement du contexte actuel et comment il impacte les entrepreneurs les plus fragiles parmi eux. Yves Tavernière, donc gérant de Calade Impulsion, vous avez peut-être une réaction par rapport à cette table ronde? Oui, une réaction parce que du coup, on se connaît bien avec Étienne et on collabore beaucoup. Et je peux aussi témoigner que ce qu'il dit est vrai, que quelquefois on fait des annonces et puis ce n'est pas toujours vrai, mais en tout cas, les conseillers de l'ADI sont archi présents sur les territoires. Donc ça, on se rend compte. Et si je dis ça, c'est aussi parce que dans ce qu'on a évoqué cet après-midi, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le faire sortir et le aller vers. Et en fait, moi qui suis depuis quelques années, et puis on est peut-être quelques-uns, les politiques publiques, et notamment les politiques publiques autour des QPV, en fait, tous les deux ans, on nous dit il faut aller vers, et puis tous les deux ans, on nous dit il faut faire sortir. En fait, la vérité, elle est dans les deux.
et je l'ai entendu tout à l'heure dans les interventions des uns et des autres. Donc, je pense qu'il faut aller vers et qu'il faut faire sortir. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour donner une image globale. Après, moi, merci, je vais juste parler de ce que nous savons faire. On est dans une dynamique à peu près similaire avec Audrey, qu'on entendait tout à l'heure, des couveuses. Donc, nous, on est coopérative d'activité. Et là, je voulais juste en parler, parce que coopérative d'activité, c'est faire un test d'entreprise grandeur réelle, comme on dit, permettre à des entrepreneurs d'entreprendre et de minimiser les risques à travers le contrat CAP, que les couveuses font également. Et la coopérative d'activité, par ailleurs, elle permet à l'entrepreneur, s'il a fait son test et s'il l'a réussi, de s'immatriculer. Donc, il y a un glissement qui se fait vraiment de manière très soft entre sa période de test et le moment où il va créer. Et puis, la possibilité pour l'entrepreneur de rester dans la coopérative, de devenir associé, salarié et d'intégrer de manière durable un collectif. Mais en tout cas, dès ses premiers essais, il est déjà dans un collectif, il est déjà dans un réseau. Donc ça, c'est assez intéressant qu'on puisse le proposer. J'ai encore un tout petit peu de temps. En fait, non, mais concluez. D'accord. Non, allez, je voulais simplement dire que les QPV, ce n'est pas seulement des grandes zones QPV comme on en a dans la région lyonnaise. Nous, on est dans le Beaujolais. On a des QPV qui sont tout petits et on a des zones rurales ou semi-rurales. Donc, le vice-président de la région est un peu dans la même configuration, je crois. Et ces territoires-là, qu'on appelle territoires fragiles, ils passent parfois à travers les mailles du filet parce que les politiques publiques, elles ciblent sur de grosses métropoles ou elles ciblent sur de gros quartiers. Et il y a certaines choses auxquelles on n'a pas accès sur des zones qui sont intermédiaires. Merci beaucoup, Monsieur Tavernière. Merci, Monsieur Taponnier. J'aimerais remercier l'ensemble du panel et pour leur participation, Élise Tissier de BPI France, directrice du Lab, Monsieur Rodin, vice-président en charge de la politique de la ville dans la région Normandie, Ayette Mazouza, encore une fois merci pour Positive Planète, elle est responsable de l'impact et du plaidoyer, Monsieur Mohamed Adou, président de Créo, également Michel Coster, qui représente Entrepreneurs dans la ville et qui est professeur en entrepreneuriat à l'EM Lyon, Moussa Camara, pour les déterminer président fondateur, et Yacine Garbas, qui représente la structure Entreprendre Ensemble, responsable de l'entrepreneuriat. Un beau message positif. En tout cas, il y a beaucoup de solutions qui existent. Et il y a ce message de travailler ensemble, en collectif, dans cette situation aujourd'hui qui est, comme cela vient d'être rappelé, finalement urgente et cruciale pour les entrepreneurs, est d'autant plus important. Merci encore à toutes et à tous pour votre contribution. À très bientôt.